Bienvenue dans le septième épisode. Tout de suite, je continue le temple du feu. Je viens d'obtenir la baguette de feu ou le bâton de feu. J'ai pas bien lu si ça s'appelait la baguette de feu ou le bâton de feu, je sais plus. En tout cas, je l'ai. Du coup, bim! Alors, droite ou gauche? Eh ben, ça sera gauche. Puisque je vais toujours à gauche en premier. Aïe. Ça fait mal aux oreilles là. Petite clé, très bien. Alors du coup, ça me donne envie de finalement revenir là et d'aller à droite. Parce que comme tout a l'air symétrique dans ce donjon, je vais probablement aussi avoir une petite clé en passant. Ah non! Bon, c'est pas grave. On va utiliser une petite clé. Non, non, c'est pas symétrique. D'accord. C'est quand même un peu similaire. Aïe 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 aïe. Ouh, mes oreilles. C'est assez horrible dans le casque là. Je vais mourir. Ben on va continuer vers là puisque c'est là que j'en étais. Ah. Aïe. Si on passait par là. Alors, eux, ils doivent pouvoir allumer la torche, voilà. Merci, les gars. Et celle-ci aussi? Ouais. Parfait. Ah! Pourquoi ça s'ouvre pas? Mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Est-ce qu'il faut renvoyer la boule de feu dans la porte? Ah non. Non, c'est pas ça. C'est dommage parce que je vais être obligé de refaire cette salle plus tard. Bon, alors. Ah, oui, ok. Il y avait un petit préalable à faire. Eh ben voilà. Par contre, si j'y retourne, il me manquera une clé. Donc, c'est pas la peine de s'infliger des douleurs pour rien. On va d'abord finir ce côté-ci. Et en toute logique, on aura une clé supplémentaire. Alors, bon, moi je vais garder un coquille. Ah mince. Bon, on va essayer ça. Ok, il faut
faut que j'allume la torche qui reste. Voilà. Et par là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on a la porte. Et voilà, je suppose, la clé. Parfait. Demi-tour. J'ai plus envie de faire sauvegarder et quitter parce que à chaque fois je me fais avoir, je me retrouve à des endroits qu'il fallait pas, ou alors je perds des choses qui avaient été faites et qu'il faut refaire. Hop. Bon bah ça va pas être facile avec deux cœurs et demi de survivre dans la salle des... dans cette salle en fait. Est-ce que la porte serait restée ouverte? Ah mais oui! Les torches sont encore allumées, c'est bien ça. Cool. Donc du coup j'ai survécu. Et voilà la clé du boss, ça y est. Mince. Bon, allez, si, je vais quand même faire ça. Voilà. Salut le boss. Quel accueil. Quel accueil. La technique de bourriner, elle marche souvent bien. Plus qu'un seul, déjà. Ok. Très bien. Maintenant que nous avons le bâton de feu... Toujours pareil, il y a des endroits qu'on va pouvoir visiter. Ah, par contre... J'ai pas tellement envie de sortir par là. Ok. Donc pour commencer, on avait dit que on avait besoin du bâton de feu pour arriver là. Oups. Voilà, ça c'est un endroit qu'on ne pouvait pas atteindre. Ah, je peux pas passer là. Ah si, je peux passer. Haha. Petite astuce. Il est rigolo ce petit labyrinthe. Je vais déjà aller voir ça. C'est le marteau. Et là, c'est pas un truc qu'il faut soulever. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être une pierre noire que je peux pas soulever en fait. Et là, je peux pas passer. Ha! Dommage. Dommage, je peux pas avoir ce fragment de cœur pour l'instant. Je vais réessayer encore un coup pour être bien sûr. L'épée, soulever, ça marche pas. Le marteau, ça marche pas. Oups. Non. Donc faudra revenir plus tard. Alors, avec la baguette de feu. On peut, par exemple,
Elle est là. Et là déjà il y avait... Ah non, il y avait rien là. Temple de glace. Temple de glace, non, j'irai plus tard. Parce que d'abord j'ai une ou deux petites quêtes annexes. Attendez, non, il n'y a rien à faire. Bah non, là il n'y a rien. J'essaie de me souvenir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant avec la baguette de feu, à part pour à part juste des raccourcis vers des endroits où on pouvait aller autrement. Au final, il n'y a peut-être pas grand-chose. Par contre, j'ai 79 rubis, alors avant d'aller au temple de glace, je vais réessayer un petit coup le jeu. Eh ben non, celui-là il veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Oups. Ouais, donc la baguette de glace, de feu. Je vois pas trop. Je vois pas trop dans quel nouveau lieu ça peut me mener. Du coup, on va passer à la suite. Alors. Temple de la glace, niveau 7. Oh, il est beau ce temple. Évidemment, ça glisse. Sinon, ça serait pas le temple de glace. Et donc là au milieu ça glisse ou... Ah non, c'est juste une décoration mais ça glisse pas. Cool la carte. D'accord. Allez, on va se laisser tomber. Bien voir ce que ça nous, où ça nous mène. Donc il faudra se laisser tomber par le haut. On va essayer de faire ça. Ouais. Une petite bombe devrait faire l'affaire. Par contre là, il devrait... Ouais, là il y a le coffre qui m'intéresse. Avec la boussole. Petite clé. Et on continue par là. Ouais. Sauf que je suis déjà venu là. J'étais allé là-haut, oui, d'accord. Je sais plus si je l'ai tué lui. Comme il faut que je tue un exemplaire de chaque monstre, je vais quand même m'assurer de le faire. Par ici, j'imagine que ça va être le boss, voilà. Et par là.
Allez, on va essayer ça d'abord. J'ai pas envie de les tuer. J'ai la flemme. Ah, le bâton de glace. Je me doutais que ça allait être le trésor du donjon, mais je pensais pas l'avoir aussi vite. Alors, tout le rez-de-chaussée est fait. On va d'abord aller voir par là. Ah ah ah, d'accord. Donc là, la technique, c'est de donner des coups d'épée pour s'arrêter. Enfin, un coup d'épée au moment où on veut s'arrêter. Pour être sûr de pas glisser. Parce que quand vous donnez un coup d'épée, votre mouvement, il s'arrête. Du coup, quand on sait faire ça, et ben c'est tout facile. Attention, attention, attention. Ouh, c'est long. Il est interminable, ce couloir. Voilà. Ouf. Ok. Non, non, ça me fait stresser les ennemis. Je vais essayer de les tuer à distance. Ah non, encore un. Heureusement qu'ils sont un peu bêtes et qu'ils savent pas faire le tour. Ouf, j'ai une clé. Et voilà la clé du boss. Ben, j'ai un moyen très simple de revenir au début, c'est de faire ça. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai déjà tout visité? Ouais, ben on va pouvoir... rendre visite au boss. Alors j'ai ma potion rouge en cas de nécessité. C'est où déjà? Ah, c'est pas par là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas par là. Potion rouge. Non. Je vais faire mon radin. Je vais la garder pour plus tard. Et puis tant pis si je meurs. Ah! J'avais presque gagné en fait. J'ai plus beaucoup d'énergie magique. Ouais, bon, la technique bourrine, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et ben voilà, j'ai tous les cristaux.
J'ai trouvé les 7 cristaux. Alors, par contre, avant d'aller voir Zelda, j'ai 2-3 petits trucs à faire. En particulier, geler l'eau. Oups. Ah, ah non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Grâce à ça, je peux ouvrir ce genre de caverne. Je me souviens plus s'il y en avait d'autres. Cool, la troisième fée. Le médaillon de Nairu, il augmente ta défense de 2 points. C'est bien ça. Par contre, j'ai pas encore le médaillon de Din. D'accord. Ah, et puis eux, je les ai toujours pas tués. Par contre, j'ai plus d'énergie magique. Je vais pas pouvoir le tuer depuis ici. Je vais essayer de retrouver l'énergie magique et puis je reviendrai. Et. Ah oui, il y a ça. En fait, j'ai 7 cristaux, mais j'ai pas encore le gant de puissance amélioré. Et est-ce que par hasard, lui, il aurait une nouvelle récompense pour moi? Ouais, un quart de cœur. Et encore 5 ennemis différents avant la prochaine récompense. Bon, alors je voudrais bien un petit peu d'énergie magique. Allez, il doit bien y avoir des choses là-dedans, non? Bon, sinon, il y a un magasin qui vend pas mal de trucs. Bon, on a qu'à acheter ça, ça coûte combien? 30 rubis. Bon, allons-y. C'est la première fois que j'achète ça dans... Ah, mais en plus, ça me remplit même pas ma barre. Ça me fait même pas la moitié, quoi. Je me suis fait arnaquer. C'est la première et dernière fois que j'achète ça. Alors. Toi, tu seras ma cible. Ah bah ça y est, j'ai tué. Donc c'est bon, c'est tout ce que je voulais faire. C'était pour pouvoir tuer tous les monstres du jeu. Avoir les récompenses du collectionneur de monstres. Alors ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y avait d'autres cavernes que le bâton de glace pourrait nous débloquer. Je crois pas. Je suis en train de regarder là sur la carte, ça me rappelle rien. Faut quand même faire un petit tour pour être sûr. Là, il n'y en a pas, et rien du tout. Non, bah c'est bon, je pense que... Ou alors là, peut-être. Ah non, là, c'était un fragment de cœur. Ok, bon. D'accord. Eh ben, on arrive à la fin de cet épisode. On a les 7 cristaux, 2h30 de jeu. C'est plutôt pas mal. Voilà, et ben je vais vous laisser, et puis on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ciao!